Bonjour à tous, c'est Cameron Lamar. Je suis chanteur et présentateur de l'émission Le Reflet du Miroir. Le lien malheureux avec le glioblastome, c'est que j'ai perdu ma maman il y a 2 ans de ça, qui a été diagnostiquée avec un glioblastome 4 ans en avant, et voilà que j'ai accompagnée tout au long de sa maladie. Très mal. C'était déjà une maladie que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert par le corps médical et où je me suis fait une idée de cette maladie avec Internet. Donc ça a été très compliqué pour moi, parce qu'avec Internet, malheureusement, vous lisez souvent beaucoup de choses négatives et qui ne sont pas forcément justes. Et puis ça a été très dur parce que forcément accompagner sa maman. Quand on sait, quand on parle d'une issue qui souvent est fatale, ça a été très compliqué, très compliqué. Ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai été confronté à des professionnels, des neurologues qui, eux, connaissaient parfaitement la maladie, mais qui ont été somme toute un peu trop peut-être direct à mon sens et qui nous ont laissé peu ou pas d'espoir du tout face à l'issue. Et à côté, confronté à un corps médical, des infirmières qui n'étaient pas forcément formées ou au courant des effets de la maladie. Il faut savoir qu'une personne atteinte d'un glioblastome, souvent, suivant où la tumeur est située, peut être amené à avoir des absences, ne pas forcément répondre aux questions, avoir, voilà. Et donc se retrouver face à des infirmières qui considèrent le patient avec un cancer, mais c'est un cancer différent. On n'est pas sur un cancer des poumons, un cancer du foie, où la personne a pleinement conscience de son état, peut répondre à des questions ou autres. Que peuvent lui poser les infirmières. Donc, on s'est souvent retrouvé face à des infirmières qui, ce n'était pas de leur faute, attention, n'étaient pas forcément au courant de la maladie et posaient des questions à ma maman et ma maman ne répondait pas parce que la tumeur agissait voilà, cérébralement et puis ma maman avait des absences et voilà. Donc, c'était très compliqué. Et on était sans cesse obligé d'expliquer la maladie, d'expliquer ce qu'elle avait pour que tout le monde puisse comprendre. Je sens tout contre moi, je sens encore tes bras. C'est comme si je rêvais qu'un instant je pouvais y croire. C'est comme si t'étais là ce soir. J'aimerais te sentir, j'aimerais te le dire. Si jamais t'es parti, c'est peut-être pour voir ce monde que toutes mes larmes ignorent. Alors, Au-delà du temps, c'est une chanson que j'ai écrite en collaboration en hommage à ma maman et en hommage à toutes les personnes qui nous ont quittés de cette maladie qu'est le glioblastome. C'est un projet qui est né il y a 3 ans de ça, qui a été financé par les internautes, mais qui a démarré il y a 2 ans, après le décès de ma maman. Et c'est une chanson que j'ai écrite relativement rapidement, mais avec laquelle il m'a fallu, avant de pouvoir me lancer dans l'écriture, beaucoup de temps. Un temps de deuil qui était important pour moi, et puis un temps après où j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Voilà. Au
fond de moi, c'était une évidence. Et puis j'ai décidé, après l'écriture de ce titre, d'intituler le nom du single s'appellera Résilience, parce que c'est un mot qui me parle énormément, la résilience. J'ai décidé de reverser une partie des ventes de ce single à la recherche contre les glioblastomes et de faire un don à l'association des Étoiles dans la Mer. La chose principale en tant qu'aidant, c'est d'en parler, d'expliquer son expérience, d'expliquer son histoire, d'appuyer sur les points à améliorer peut-être pour accompagner la famille, pour accompagner la personne souffrant d'un glioblastome. Voilà, en parler, communiquer un maximum là-dessus, aider les autres à leur apporter ben justement son expérience, apporter son soutien. Et puis après, à travers diverses actions, que ce soit avec l'association ou indépendamment. Alors, quel est le rapport entre une boule de loto et le fait d'être aidant? J'ai décidé il y a 2 ans de ça, de me lancer dans l'animation de loto au profit d'associations telles que des Étoiles dans la Mer, afin de récolter des fonds. Donc ces lotos sont organisés tous les vendredis soirs en ligne sur internet où les personnes jouent de chez eux et par ce biais-là, les associations arrivent à récolter des fonds au profit notamment de la recherche. Concrètement, nous avons pu organiser il y a quelque temps de ça un loto au profit de l'association avec l'association des Étoiles dans la Mer. Et ce loto a permis de récolter plus de 3000 euros pour la recherche et pour l'association. Donc nous remercions toutes les personnes qui participent tous les vendredis soirs à ces lotos, car grâce à elles, la recherche peut avancer.